Bon, voici deux matchs en équipe qu'on aurait pu gagner. Qu'est-ce que je veux dire qu'on aurait pu? C'est que, genre, c'est moi qui donnais le focus de mon équipe. Mais surtout dans la deuxième séquence. Dans la première séquence, on menait la partie, les deux ensemble. Mais dès qu'il subit sa deuxième chute, mon équipier de Cloud, je sais pas pourquoi, mais on s'en fait exprès, il a také à mauvaise place, puis il a chuté lourdement en bas, sans aucune réaction. Après ça, partage de vie, mais ça n'a pas fonctionné. Mais il a fait de son possible pour tenter de finir. Sauf que le joueur héros dans ce temps-là était au-dessus de 124%. Mais il a pas réussi à l'atteindre. Malgré que le comble, là, il était pas mal dérangeant aussi, là. Mais disons que quelque chose de ce genre-là, ok, ça me fait paniquer. Parce que, genre, puis en plus de ça, je me sens moins confiant, puis j'ai pas le compère parce que à cause d'une gaffe que mon équipier a fait. Puis moi, j'étais quand même assez solide quand même pour quand même rester assez longtemps. Puis après ça, j'ai même mis une bonne séquence contre le joueur des héros, je pense, vers le milieu ou au départ. Regardez ça. Tu sais, ça allait quand même bien, après ça, le focus est allé de l'autre côté. Il jouait pas. Il était pas mauvais, mon équipier, là. Il était vraiment bon contre le trône. Mais c'est sûr que j'ai chuté dedans, puis il n'y a eu aucune raison pour essayer de revenir sur le rebord. Il s'est quand même laissé chuter en bas après sa deuxième chute. J'étais là, mais voyons donc. Quand j'ai vu ça dans le replay, je me suis demandé. Puis là, ça m'a fait vraiment paniquer, vraiment, là. C'est vrai que des fois, j'aurais mieux géré mes émotions, mais tu sais, c'était un match que j'aurais pu gagner. Puis qui m'aurait permis de pouvoir au moins retourner à 5,4 millions avec ça. Mais c'est pas arrivé. Tu sais, des matchs que j'aurais pu gagner, genre, j'ai encore un joueur de compte qui veut essayer de me faire ça. Ah, ben écoute, bien joué. Je sais pas comment il a fait ça, là, mon équipier, mais en tout cas, il a vraiment bien joué là-dessus. Moi, ce qui m'énervait pas mal, c'est le joueur héros qui arrêtait pas de faire des roulades constamment à chaque fois. Pour essayer de m'éviter d'une attaque. Vous voyez? Roulade. Oups, il a smashé au joueur. Mais il faisait souvent des roulades, ce joueur-là. Il faisait juste jouer de ses attaques spéciales bien souvent, mais des fois, il attaquait au moins. Mais vous voyez, il fait toujours une roulade avant d'enchaîner une attaque. Ça, et ça, j'ai trouvé ça tellement pourri, là, mais bon, tu sais, t'es là. Fait. Oh, pas chanceux. Une magie. Bon, là, on met 4 vies contre 3. Que va-t-il se passer? Pourtant, regardez ça, comment on a le focus. Ah. La chance d'avoir eu un. Là, moi, j'essaie de tenir le coup, là, malgré la pression et mes situations qui me jouent des tours, bien souvent. Mais là, j'étais vraiment paniqué, là. J'essayais de revenir dans le match, mais j'étais trop énervé, pas énervé, mais paniqué. À cause justement de la mauvaise chute que mon équipe a faite. Là, j'aurais dû attendre pour faire un smash. Là, j'ai reculé. Trop reculé. Je sais que c'est pas évident dans un 2 contre 1, mais quand même, moi je pense que s'il n'aurait pas fait une juste là ici, il vient de faire une erreur, il n'aurait pas dû faire un B plus côté, il aurait dû smasher le gars qui était juste à côté. Il y avait une opportunité de smash là, puis là il a fait encore une fois la mauvaise attaque, mais c'était un smash côté qu'il fallait faire, mais je pense qu'il ne savait pas. Il s'attendait qu'il fasse une roulade, mais c'est pas arrivé. Non. Ah, ben essai, mais bon, là il est poigné entre les deux. L'autre, il en a profité pour justement finir comme ça.
C'était bien joué de la part de Cole, pareil. Là, t'sais, vous avez vu comment il s'est rué vers le joueur assez vite pour dire bye-bye. Bon, pour l'autre séquence, ok. Bon, ok. Il y a eu un bout qui était que le joueur était malchanceux. Puis c'est le joueur contre qui que j'ai joué, mais il jouait pas Wario à ce moment-là. Je l'avais affronté en duel, puis il m'avait battu avec Ganondorf. Ben, quand même, j'ai quand même réussi à faire un comeback, mais j'ai pas pu finir. Mais ça a bien failli passer quand même. C'est-à-dire, il venait 3 vies contre 1, mais j'ai réussi à me rattraper, mais un peu tard. Puis là, je joue avec lui. Là, il est avec, là, il joue Wario, c'est un homme. P-Bear, je pense que c'est un homme. Non, pas B-Pear, je pense, ou quelque chose dans ce genre-là. Moi, je comprends pas, il a fait deux grosses erreurs, ok? Genre, il s'est jeté dans l'eau, je sais pas trop comment, je veux juste qu'on aille voir la séquence ensemble, parce que, genre, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a chuté deux fois rapidement. Puis il fallait qu'il fasse un partage de vie. Mais déjà là, j'ai dilé contre les deux autres. Surtout le joueur Donkey Kong, Bouddha, là. Lui, là, c'est un joueur ultra défensif. Je l'avais battu dans un Smash à 3 juste avant. Le joueur, il attaque pas, il fallait se protéger. Fait que tu le saisis dans ce temps-là. T'as pas bien le choix, parce que. Souvent, les joueurs de Donkey Kong, qu'est-ce qu'ils font? Genre, t'attendent dans du rebord pour justement faire ça. Comme je ne savais pas, mais c'est pas évident de bien s'approcher et de toucher ensuite. Ben, pour l'instant, ça va bien pour moi. Oh! Mais il survit! Ah! Ah non, le mauvais chute là. Oublie ça, là, je suis mort. Oh là, bien rattrapé pour moi. Hey, toi là. C'est drôle, c'est tout les deux. On s'est shooté ma bombe. Sur une autre. Oh. Ah, mauvaise chute, ok. Là, ici, mauvaise chute. Sauf que je comprends pas la suite. Comment il a pu shooter autrement par après? Là, il était un peu vite là-dessus, mais bon, il était massageux aussi, mais quand même, là. Oui, c'était une mauvaise chute. Là, il a été mal pris dans le train, il ne peut plus rien faire. Là. Quand même, il aurait pu marcher, mais. D'un, à ce que j'ai vu, genre mon équipe était malchanceux. Il a bien joué sur ce coup-là. Là, je sais pas après ça pourquoi il a voulu me mettre son bouclier. C'était sûr et certain qu'il allait se faire descendre. Moi, en tout cas, moi j'ai trouvé que mon équipier a été faible là-dessus à la fin. Il était vraiment faible. Déjà là que j'ai bien de la misère à gagner plusieurs parties consécutives là. Mais voir que genre que mon équipier, ok, il a mal chuté, mal chance par après, mais qu'après ça c'est pire en faisant un partage de vie. Moi, je me dis, j'aurais pu essayer au moins le comeback tout seul. Et au pire, Ali, ben, on aurait perdu. Au moins, j'aimerais essayer, mais bon. C'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Puis en parlant de partage de vie, ok, j'ai subi 5 défaites de suite. Oui, c'est assez rare, oui, merci. Là, c'est une situation vraiment déconcertante. Mais, savez-vous quoi? À mort subite, lors de mes 10 derniers matchs, 80% de réussite. Puis je vous niaise pas 80% de réussite, là. Je viens d'accoler 4 victoires d'affilée avec Link.
en mort vite avec Link. Madame a fait des pertes, remonte avec Bowser. Ok, ben Bowser, trois matchs d'affilée. Avec Link, mais c'est 4 victoires d'affilée avec Link. Quand même, c'est pas mal, 80% de victoires pour lors de mes 10 derniers matchs en mort subite, Seigneur. Moi, je me trouve quand même assez bon, Seigneur. Au moins, quand même, je remporte des matchs importants. Surtout, je suis que j'aurais dû gagner. Mais parfois, le jeu peut être injuste. Puis ça donne qu'on s'en ramasse en mort subite. Puis aussi, lors d'une mort subite en endurance, deuxième victoire d'affilée aussi. Mais si j'étais là, un truc de ouf, Seigneur, le joueur de Cloud, vous allez voir ça tantôt, ok, là, mais comme que je vous dis, Seigneur, c'est incroyable comment que ça va bien en mort subite. Seigneur, 4 victoires de là, je m'enligne avec 4 victoires de suite. Là. Attends, j'en ai 1, 2, 3. Moi, c'est ça, à date, j'ai 3 victoires d'affilée depuis ma dernière défaite avec Bowser. 4 victoires d'affilée avec Link. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé là. Mais vous savez en quoi vous en tenir. Puis moi, je trouve ça quand même très positif, malgré que ça va pas très bien pour moi à certains moments, comme par exemple quand j'ai l'avance ou un excellent départ, là, Seigneur, ça revient direct au cauchemar par la suite pour mes parties en équipe, ça va pas bien. Parfois, c'est que c'est mon équipier qui est malchanceux, ou soit c'est mon équipier qui est pas assez fort, ben je suis toujours obligé de faire un rattrapage. J'essaie de faire de mon mieux pour essayer de toffer jusqu'à la fin. Puis, malheureusement, ben ça foire. Ou quand c'est moi quand même qui réside quand même assez bien, qu'il me reste au moins 2 vies, puis que mon équipier, après ça, il chute deux fois en l'espace de 10 secondes, je suis là. Oh non, c'est pas vrai. Puis déjà là, moi, ça me fait paniquer dans ce temps-là. Genre, quand il y en a qui a une mauvaise chute, je suis là. Oh non, ça va pas bien. Ça va planter à un moment donné.